Carmen Vergara, je suis journaliste. J'ai passé 4 ans merveilleux en France comme correspondante de ma chaîne de télévision, Antena 13 Télévision. Et pour moi, la France, c'est presque un amour, hein, parce que moi, je suis assez francophile. J'ai étudié français au lycée. J'ai voyagé pas mal de fois à Paris quand j'étais très jeune. La première fois que j'étais à Paris, c'était pour l'enterrement de Simone de Beauvoir. De Beauvoir, parce que nous, en Espagne, les femmes, il y avait tellement de choses à faire dans les années 80. Et moi, j'étudiais journalisme à cette époque à Madrid. Et quand on avait entendu Simone de Beauvoir, elle est morte, on a pensé, bon, pourquoi on ne va pas le dire le dernier adieu? Et voilà, on est parti. Et ça, c'est mon première fois à Paris et ça a été vraiment très intéressant. Et après, c'était presque ma vie. Hein. Je suis spécialisée en France. Je préfère l'ancienne littérature française des autres littératures. J'adore pouvoir acheter à Paris des bouquins, des littératures orientales, parce qu'ici en Espagne c'est beaucoup plus difficile de réussir à avoir ce type de bouquins. Et bon, mon travail c'est surtout ça, ma vie, ça me manque énormément Paris. Moi j'adore Paris. C'est vrai que les Parisiens sont un petit peu difficiles, mais moi, je passais des jours magnifiques, magnifiques à Paris. Mais c'est vrai que moi, je préfère la cuisine du sud de la France. Hein. La cuisine du sud de la France, les valeurs du nord de la France sont vraiment très proches, très forts. Paris, c'est difficile, c'est grand, mais c'est merveilleux. Moi, je crois que c'est un des plus belle ville du monde.